Bienvenue à tous, aujourd'hui duel de légende, on reçoit à notre droite l'équipe de France de handball. Aujourd'hui, vous allez affronter une équipe incroyable, une équipe de youtubeurs avec le capitaine Ibra TV. Bon, il y a qui dans ton équipe là? Bah moi je suis seul, j'ai pas besoin d'équipe. Ouais mais regarde, il y a toute une équipe en face. Ouais, ils sont que 4, je comprendrais si c'était 40, mais là ils sont que 4, donc ça va. C'est à vous de parier sur le vainqueur. Donc vous cliquez ici sur l'affiche. 1 vainqueur, l'équipe de France de hand. N match nul, 2 vainqueurs, Ibra TV. On commence tout de suite avec la première épreuve. Il va falloir transpercer un maximum de cibles. Il y en a 4 cibles. Un tir de hand, ça va convaincre. 100, normalement. Un peu plus. 115, 120. 120? Ah ouais. Vous tirez bien. Oh! Que la force de pose bleue soit avec moi. Attends, vous êtes d'accord que je tape sur les cerceaux? Oui, mais justement, c'est le problème. Non, mais si c'était tapé là, on sait très bien que j'aurais fait les 4 et serais se retrouvé dans la Oui, mais c'est ça le problème de l'épreuve. Vainqueur de l'épreuve, l'équipe de France. On passe tout de suite au prochain défi. Là maintenant, on va faire une épreuve toute simple, les pénaltys, ok? Bon, on y va. C'est un très bon goal, mais sur les pénaux, il est fragile. Donc tu les mets bien, tu vois, dans les petits trous. Oh là 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 là. Bon, voilà quoi. Hé, hey, t'as spécial, Quentin, t'as spécial. Oh, oh non, non, bien Quentin. Pour départager, maintenant, vous allez devoir tirer avec un gant de boxe. Alors là, les gars, c'est des gants de boxe, c'est pour le sport de vrai bonhomme, d'accord? Ibra, s'il te plaît, on a un champion du monde, on en a besoin. Ok. N'abîme pas. Ça devait être ridicule. Oh non, non, mais non. Ah, il y a quand même ça, toi, la technique. Et là, tu peux gagner. Ouais! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Donc, victoire d'Ibra, et en plus, regardez, une petite marque à la Ibra TV. Voilà. Mais je m'excuse, je ne peux pas contrôler ma puissance, quoi. Bon, allez, nouvelle épreuve. Donc, nouvelle épreuve, vous allez devoir arrêter un tir, sauf que vous ne serez pas face au tireur, mais de dos au tireur, et vous aurez une petite glace pour arrêter le tir. Le pose bleu, c'est évident à ce genre de situation, vous savez très bien. Victoire de Ibra, on va au prochain duel. Nouvelle épreuve, il va falloir faire la plus belle figure en suspension. Donc tu vas devoir mettre ton costume de super-héros et nous faire la plus belle photo en suspension. Ok. Oh ! Il a failli se pencher. Ibra, tu vas devoir faire aussi un tir en suspension avec une tenue de danseuse classique. Pourquoi moi danseuse classique et super-héros? Mais tu m'aurais dit que ce serait en Photoshop, tu as rajouté les tenues. Ouais, mais c'était trop long et tout pour le montage, donc tu le fais vite fait, quoi. Non, puis si tu fais ça bien, tu seras peut-être prêt à l'opéra, tu vas être bien, quoi. L'opéra? Bah oui, mais m'intéresse pas l'opéra. Ouais, mais on a bien vu que le hand, c'était pas pour toi, donc tu... On dirait qu'il y a un deal de 1 million d'euros, là. Du coup, le propriétaire, tu refuses pour le tutu, là? Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît, maître. Non, tu peux pas? Putain, les agents de joueurs, je te raconte pas, quoi, putain. Bon, bah, ça va être super héros aussi, hein. Oui! Ah, tu t'es envolé, hein. Résultat, il y a plus d'amplitude chez Ibra, mais il y en a quand même à 360 du côté de l'équipe de France, donc match nul. Vous allez vous mettre aux 9 mètres et l'objectif, c'est de faire tomber la petite bouteille
pied sur le but. C'est 9 mètres. Mais les yeux fermés. Bon, attends, déjà essaye comme ça. C'est bon, t'es prêt? Du premier coup. Des premiers coups, oh là là. Ce que je propose, c'est que comme Ibra, il est quand même très nettement moins fort, on va lui remplacer... Très nettement moins fort, t'as dit? Ouais, on va lui remplacer la petite bouteille par une grosse bouteille pour équilibrer à peu près les débats, d'accord? Voilà. Bon, Zaga, est-ce que tu peux remettre la petite bouteille, s'il te plaît? Non, non, parce que comme toi, tu sais, t'as un petit peu de soucis, on te met la grosse bouteille. Un petit peu de soucis? Oui. D'accord? Non, mais je vais te démontrer, il n'y a pas un petit peu de soucis. Tu remets la petite bouteille et après on en parle, ok? Alors, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va faire la grosse bouteille, mais du milieu du terrain. Oh, oh. Voilà. Nouvelle victoire de l'équipe de France, on passe tout de suite au prochain duel. Est-ce que vous utilisez souvent votre poignet? Oh non. Alors donc là, c'est le tir de l'impossible. Donc il va falloir marquer du coin de corner. Pourquoi, ouais. C'est pas bon? Ouais, décale-toi un peu. Ah, comme ça, tu veux? Ouais. C'est chaud comme ça? Ah bon? Je sais pas, je vais essayer. Ah non. Se la pète un peu. Moi, à ta place. Ouais. Oui. Ouais, c'est bien, ma poule, attends. Pour vous départager, on va devoir tirer de derrière le but. Ok. Les gars, vous avez besoin de la technique? Vas-y, montre-nous. Venez. Regardez bien, les gars. Ouais, on a regardé. Attends, mais là, t'as tourné le ballon vers là-bas. Il faut le tourner vers toi. Non, non, si t'as bien regardé, ouais. C'était comme ça. Ah, d'accord. T'es prêt ou pas? Elle va rentrer facile. Vainqueur de ce grand duel, l'équipe de France de hand. Bravo. Bon les mecs, un petit mot peut-être sur votre adversaire du jour. Il existe des stages de hand, ça arrive. T'en organises un, non? Donc si tu veux, on te prend au prochain. En tout cas les gars, on compte sur vous pour suivre et encourager toute notre équipe de France qui sera au championnat du monde. On a rigolé un petit peu, bien sûr, je suis très honoré à faire cette vidéo avec l'équipe de France. Bravo à vous les gars. Merci à toi, beau discours. Beau discours, bien travaillé. Bon alors on rigole, mais tu sais qu'à chaque fois le perdant a un gage. Donc tu vas devoir traverser tout le terrain de hand, ouais. En sumo, et vous les gars, vous allez devoir essayer de l'allumer. Est-ce que juste ma tête est protégée? Non. Non. 3, 2, 1, go! Ok. Ouais! Allez! Oh putain! En tout cas, merci à tous. Aïe, non, c'était une blague. Si on dépasse les 100 000 abonnés sur cette chaîne, je vais m'affronter contre un champion du monde ou champion de France de la boxe ou de judo ou de la lutte. D'accord. Ok. Donc c'est à vous de jouer les copains. Et on se retrouve prochainement sur cette chaîne. Ciao, pause bleue. Et maintenant, à vous de jouer. Combien Ibra arrêtera-t-il de ballons parmi ses 8 shoots simultanés? À vous de nous le dire en commentaire et rendez-vous semaine prochaine dans la vidéo bonus pour la réponse.